On va les marbouler. Non, ça je veux pas. Oui, ça je veux. Trop vite. Au quart de tour, Dynonette le play. trop vite, trop vite, doucement. Ça va venir, ça va venir. Faut que le jeu se charge. S'il veut bien. Il me fait quoi là? Bon, c'est bien, j'ai déjà changé ma catégorie de Steam, mais. De Twitch, mais. Il me fait quoi là? Bah! Qu'ici? Ah! Merci. Je comprenais plus. Race. Dans le shop, voir s'il y a des belles trucs de Bibi. Oh, c'est pas mal la petite abeille. Oh, l'œil reptilien! Il est beau l'œil reptilien! Oh, vous allez pouvoir choisir Bibi. Attendez, il y a quoi d'autre? Il y a pas il y a Glacia, il y a Scream, il y a. Ouais, bon. L'œil reptilien, je l'aime beaucoup. Ah! Oh la vache! Ah, je peux choisir la forme ovoïde. Ah, ça fait trop bizarre. En ballon de basket. Ah, oh, tout de suite, j'achète. Ah ouais. Vous allez pouvoir faire un play avec le chiffre 2. C'est énorme. Allez, on commence avec 10 cartes. J'active les votes. Pour ceux qui ont leur carte favorite, allez-y. Faites point d'exclamation vote suivi du nombre. L'œil de Sauron, ouais. Bien vu, Nachev même. Ah, on va commencer par le dojo. Le dojo, c'est une petite mise bien en jambe qui est sympa. Lucky Few, après je sais plus. Portel, portu. Ah, je n'aime pas celle-là, je crois. Robotique, Roadway, Fing Ice, Bongo Boogie. Oh, ah, le siège du château. On va peut-être finir avec le siège du château. Ah, l'amour est dans l'air. Elle était mignonne, celle-là. Je sais pas. Sun's Dream. Ah, t'aimes bien la 11, même fan. La 11, c'est l'œil du cyclone. Ah, on l'a peut-être jamais faite celle-là, bien vu. Bien vu, bien vu. Les ennemis sont les portes. Ah ouais, elles sont terribles celles-là. Et je voulais finir sur du. Je sais plus. Le siège du château, ouais, la vachement longue. Ouais! Ah, faut que je mette la zizik. Je vais mettre de la zik en même temps. Placez vos billes. Placez vos billes. Oui. La zizik, la zizik, la zizik, la zizik. Elle est où la zizik? Ah, attends. Touk. Un petit peu de musique. Ouf. Allez, je mets le... Compte à rebours. On démarre dans quelques secondes. Attention, placez vos billes. Point d'exclamation play. Point d'exclamation play. On, off, ouais, on. Ah, le record est détenu par l'ami Récif. Oh, Nainonette et son beau portrait de lion. Oh mon dieu, je sais plus. Ah oui, c'est par là que ça se passe. Ah si, on l'avait déjà faite, la preuve, comme on a le record local avec Récif. Je m'en souvenais déjà plus. Mais bon choix, FunFan. L'œil du cyclone. Ouais, le vieux lion.
comme je te l'avais déjà dit, on préfère ses barres chocolatées. Oh, Nashevman, j'ai l'impression qu'il a... Oh, Nashevman, comment qu'il a feinté tout le monde! Il avait tellement de vitesse dans sa bille qu'il s'est éjecté par le dessus du... de la passoire. Oh, Nashevman qui est déchaîné. C'est énorme! Ah, mais Nainonet arrive plus subtilement. Ha ha! Oh, cette course! Waouh! D'ailleurs, c'est simple, vous êtes largement devant Récif. Donc. Oh! Faut que tu te plantes, malheureux. Oh, Christella qui est dans le. dans le tourbillon. Oh non! Mais non! Mais non, mais vous allez pas tous mourir! Il reste plus que moi et Nash! Ah bah il reste plus que Tâche. Oui, c'est une fusée. Bah au moins t'es toujours en course là. Mais Ah, c'est la violence cette course là. Oh, t'as eu du bol. T'as atterri sur le tracé. Alors Récif. Quand il a battu le record localement, waouh. Mais c'est bien, tu m'as marqué tes premiers points, Nash. Wow, la violence de la carte. Oui, tes premiers, oui. Encore que, attention, parce que si tu restes bloqué trop longtemps sur le tourniquet et qu'il y a le mur avec le chrono qui arrive, non, c'est bon. C'est poussif, mais tu vas y arriver. Voilà. Ah non, Récif, il a fait très fort. Zou, la suite. Ah, le dojo. Allez-y, point d'exclamation play. Allez, zou, 30 secondes pour placer vos billes. Touk! Point d'exclamation play. Je me demande si le chrono, je vais pas le mettre à 60 secondes, parce que c'est vrai que 30, c'est peut-être un peu trop nerveux. Tout le monde ne peut pas être réactif autant que ça. Je vais être plus gentillet. Je vais le mettre à 60 parce que c'est vrai que c'est un peu la violence. Je vous bouscule un peu. Allez hop, on va suivre Christella pour cette course. Il est beau le temple de départ. Pa, 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 la, pa. Oula. Spring. Les jolis petits bambous. Le Message record. de FunFan 1992, tu vas déménager dans les Antilles parce que tu as dit que tu vas être antillais. Oui. Je ne sais plus. Le record local Tuitsen qui l'a en 2,04. Ma pauvre Christella, on a pris la porte de sortie tous les deux. Aïe 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 aïe. Non mais j'ai pas mis les noms. Pardon, j'ai oublié de mettre les noms. Ah oui, la poisse, ouais. Surtout qu'habituellement, le dojo, c'est plutôt rare de finir hors piste.
Mais là, ouais, la poisse, comme tu dis. Bah, même Nashevman. Bah alors. Je n'explique plus rien. Tu as dit que tu vas être plus gentil. Ah, oula. Oui. Ah! Mais c'est quoi cette violence? Le dojo n'a jamais été aussi violent. Bon, bah, Dragon Sky, on croit en toi. Ah non. Mais c'est pas possible! C'est la première fois que je vois le dojo être aussi vilain. Je la voyais pas comme une course à risque, celle-là. Ah, je suis choqué, là. Vous, Dudu? Ah ouais, non, mais... allez-y. Alors, attendez. Ouais, je vais mettre 60. Au moins, ça vous laisse le temps de vous installer. Voilà. Je me souvenais pas de cette musique. Elle est bien. Oui, c'est vrai qu'en plus je peux faire Star Now si j'estime que tout le monde est déjà aligné sur la grille de départ, quoi. Il manque Ninonette. Déjà que t'as placé tes deux billes. Il y a que Ninonette qui est occupé, il est peut-être en cuisine vu l'heure. C'est vrai que c'est l'heure de passer à table. Bon app hein, si c'est le cas. Ouais, 1 minute de délai, c'est très bien. C'est vraiment très bien. Ah, Dark Maxou qui a le record local en 2,37. Et on est loin du mondial à 1,44. Il y a des scores de fou. Original l'image de fond. Hé! Je sais pas si on est libre de balancer l'image de fond que l'on souhaite quand on crée un niveau. Mais si je devais créer un niveau que j'avais cette liberté, croyez-moi que je refous une image du plateau de Malzéville. De notre promenade avec un Ninonette Froboz. Ce serait tout un symbole, mais je mettrais les jolis bois. Je pense que ce serait stylé. On verra. Quand je m'amuserai à essayer de créer un niveau, on verra. Je cherche à personnaliser ma bille. Ah oui, merde, c'est vrai que j'ai pas pensé à regarder. Normalement, oui, bah oui, j'avais déjà zappé. J'avais déjà zappé. Ah, dommage. Dommage, encore que là, tu prends le tourniquet dans le... Ouais, ça va. T'arrives à t'en libérer. Bien. Ah! Ah! On va vers un record local de Froboz si Sabine ne sort pas du tracé. Ouais, c'est vicieux, hein, c'est... Ah! La... Ah, cette pièce me rend fou. La boule de loterie, là, de tirage loto, elle me rend fou. Elle peut complètement inverser les positions. Quoi? Nashevman est mort. Comment? Bah, je suis navré pour toi, Nashevman, mais je sais pas comment t'as fait ton affaire. 2, 3... Oh, oui, il va y avoir record. Oui, c'est bon, t'as le nouveau record local, Froboz99. Bien joué. Tu l'as battu de quelques secondes. Alors, premier 99, deuxième Cyberfun, troisième FunFan. On attend Christella quatrième, cinquième moi-même théoriquement, puis Dragon Sky. Oula, Dragon Sky, mon dieu, t'es loin. Tu risques de te faire aspirer par le mur de délai.
Oui. Elle a encore de la route à faire, ta bibille. Oh mon pauvre. Elle est coincée dans le mouvement cyclique du. Je sens que tu vas te faire aspirer par le mur, Dragon Sky. Ta bille fait pas ce qu'il faut. Même ma bille d'ailleurs a toujours pas. Voilà. Non, ça va, moi je vais m'en tirer, mais mon pauvre Dragon Sky. Quoi? Je pense que ma bille n'avait plus envie de vivre. Quelle horreur. Oh mon dieu. Alors, Dainonet, Cyber, Fun, Christella, puis moi-même avons rallié l'arrivée. Eh ben dis donc. La violence. Oui, alors effectivement, les bibis, le choix de la bibi. Ah merde! J'ai oublié d'activer un truc. Vous devriez l'avoir là en fait. J'ai oublié d'activer un truc, je suis désolé. Je crois que le chrono se déclenche lorsque quelqu'un du public fait point d'exclamation play. Je me trompe? Ah non, c'est à moi de le déclencher. D'accord. D'accord. Point d'exclamation play, allez-y. Il manque, je crois, Fun Fan et Nainonet. Faudrait que je reprenne le temps tout à l'heure hors antenne de revoir les options. Je pense qu'il y a des trucs que je peux automatiser et améliorer. J'ai pas profondément farfouillé l'interface des bibilles. Je suis sûr que je peux améliorer mes sessions de jeu. Bah alors, Fun Fan et Nainonet. Oh mince. Lui, trois fois t'es mort, mon pauvre. Faut espérer que la chance tourne. 12 secondes. Ni Fun Fan ni Nainonet. Bon bah vous êtes à table, bon app. J'ai pas rien pour vous. On parle sans vous, je suis désolé. Arf. Alors le record local était par Dark Maxou. Ah, t'es arrivé trop tard, Fun Fan, malheureusement. C'est pas grave, ce sera pour la prochaine. Oula, il y a des marteaux fous là. Oh bah, Christella. Décidément. Ta poisse continue, ma pauvre. Aïe aïe aïe. Bizarre cette histoire de tuyau translucide. Ça fait flipper. Ah oui, Dark Maxou qui s'était vu catapulter. Merdoum! Ah, c'est moche! Bon, je suis mouru. Espoir, Dragon Sky qui est en tête, qui est toujours en course. Oh! Nashevman, pareil, qui s'est fait, mais alors. Expédié dans le décor. Oh, c'est rigolo leur petit cube coloré qui gicle en fragments. Bon, lentement mais sûrement, t'as bon espoir de rallier l'arrivée, la Dragon Sky. Tu vas m'inscrire de jolis points. Ça va rattraper tes morts précédentes. On y croit. Je veux pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais on y croit.
suis en train de noter le vendeur, je peux pas être partout à la fois. Bah oui, je pense bien. Oui, Dragon Sky, t'es le seul survivant de la course. C'est bien, tu marques de précieux points au niveau du Grand Prix. En 2.31, oui, non, t'as pas battu le record de Dark Marsou. Ouais. Alors, On Thing Ice. Je sais même plus à quoi se ressemble ce tracé. J'en ai quelques-uns en tête. Ah, c'est la belle boule de neige. Les belles boules de neige. Allez-y, vous avez une minute pour faire point d'exclamation play. Bonsoir Erika. C'est bon, t'as réussi à rattraper ton sommeil, Erika. N'hésite pas à faire à nous rejoindre si tu souhaites jouer au bibi, Erika. Tu fais point d'exclamation play et tu vas devoir attribuer une bille. Et puis c'est un jeu de hasard, c'est rigolo, ça permet de se détendre et de papoter entre nous. Tac, 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 voilà, Christella. Encore 10 secondes. Ah, j'espère que t'as bien dormi, Erika, que t'as récupéré par rapport à ce qu'on s'était vu tout à l'heure. Le matin, côté français. Et puis que t'avais pas fini ta nuit. Avec une musique que j'aime bien. Sympa. Et là, tu regardes le petit lien que je t'ai donné ce matin. Oui. Bonjour à tous. Ah là là. Mais c'est vrai que j'ai pas mal de contenu que vous m'avez cédé à regarder. Je pense à une scène qui m'a carrément passé de quoi mater un film. Et je le ferai très probablement dans la semaine. Wouah, le toboggan! Christella qui est en tête, visiblement, mais tu t'es bloqué. Il y avait des obstacles, il y avait des glaçons. Oula, il y a carrément le truc qui s'écroule. Vache. Ah, Christella qui est... Ah, il y a Nainonette qui est devant. Ah ouais, qui est déjà en bas. Waouh. J'ai moi-même le record local en 2.15. Bon, c'est bien. Pour le moment, il n'y a personne qui s'est retrouvé hors circuit. Donc il y a quelque chose de... Je reste pas longtemps, j'ai des choses à faire cet après-midi. Non, mais il n'y a pas de souci. C'est adorable de ta part de venir faire un énième petit coucou, Erika. Merci tout plein. Ah bah bon courage pour ta journée. Alors, je crois que Nainonette va me battre au niveau du chrono local. C'est bien. T'es parti pour inscrire ton nom dans le sur le tracé en lien avec ma chaîne. Ah, avant que ce soit Dragon Sky. Ah non, vous avez pas battu mon record. Mais Nainonette a remporté la course. Ah, ça s'est joué à pas grand chose, ça s'est joué à 3 secondes. Donc premier Nainonette, deuxième Dragon Sky. Troisième moi-même. Quatrième Christella. Et de Funfan et de Nashevman, qui sait qui va arriver cinquième. Ouais, ouais, bien joué. Bah alors. Attendez. Ah, vous êtes encore dans le... Oula. Attendez, on va faire la vue du dessus, là, parce que... Ah, Nashevman qui se libère. Donc les deux billes de Funfan vont être les dernières. Elle est bien bonne. Alors pour le deuxième Grand Prix, j'essaierai de vous déverrouiller la deuxième bille que j'ai achetée là. Je pensais que ça allait être automatique, mais non. Ah,
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, dira-t-on? Allez, zou. Point d'exclamation play. Placez votre bille. Ouais, vous étiez encore coincé dans le siphon, ouais. Faites vos jeux, ouais, comme dit Dragon Sky. Which, attendez, bah c'est cette vue de fou, voilà, histoire qu'on soit dans le tuyau. Voilà. Ah, le record local est détenu par Bob Morlock. Pas si loin du record mondial d'ailleurs, mais bon, le tracé a l'air d'être rapide. Bob avait fait 1,05 260 et ça. Zou. Oh! T'aurais pu te rattraper en allant sur la partie. Bref, dommage. Ça fait bizarre de suivre à la caméra la l'éjection d'une bille. Ou pas mal la succession de Dragon Sky au niveau des tremplins. Pas mal du tout. Wow! T'aurais presque. C'était pas loin de battre le record du. Il y avait Bomberlock qui était juste devant au niveau de son fantôme. Alors, premier Dragon Sky, tu vois, tu marques des points comme quoi la chance tourne. Merde, j'ai pas le temps de lire. Je vais vous le lire, attendez. Dragon Sky, Nashevman, Christella, moi-même et Nine Honnête ont rejoint l'arrivée et même pas les deux bits FunFan. La malédiction sur FunFan. C'est un truc de fou. Ah, la belle carte du 14 février là. Love is in the air. Avec les petits cœurs partout, c'est trop mimi. Ouais, d'exclamation play. Fun fan. Mania, mania, mania. Ah là 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 là. Pom 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 pom. Aïe 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 aïe. Ouais, 10 secondes. Je suis pas certain que tout le monde soit embarqué ici. Je sais plus. Oui, bonne, merci. Bonne journée à toi. Bon courage pour ce que tu as à faire, Erika. Bisous tout plein. Merci d'être passé. À une prochaine. Ah, ça m'a fait bien plaisir que tu sois passé. Mince, la caméra. Par deux fois aujourd'hui. Merci tout plein. Bisous, bisous. Ah, Saul Goodman. Record local en 2,27. 353. Pardon, alors que je suis en train de d'avoir un rototo de ma boisson. Oula, je suis en duel avec FunFan. Quoique ma bille est bien partie. Ah, elle a été stoppée par le. Enfin, stoppée, ralentie par le tourniquet. Ah, encore que qu'elle reprend de la vitesse, ma bille. Ouais,
Non. Je suis en route pour battre le record de Saul. On dirait. On dirait bien. Ouah. Ah oui! V'là seulement qu'on voit le fantôme de la bille de Saul Goodman. Ah oui, non, mais là je suis parti pour pulvériser le record. Dragon Sky, voilà, ta malédiction revient, je sais pas pourquoi. Heureusement que t'as marqué des précieux points dans deux courses précédentes. Non. Bon, on vient de passer le record mondial, mais là, ma bille localement, elle est partie pour pulvériser un score de chrono. Ah non, elle s'est calmée. Ah bah, je vais me faire attraper par Cyberfun. Ah bah non, finalement, je ne battrai pas le record local. Alors que Cyberfun, il y a une chance encore. Faut que la trajectoire soit parfaite. Non, elle n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne. Dommage. Alors, tu vas gagner la course. Mais ça s'est joué à pas grand-chose pour battre leur corps local qui est encore conservé par Saul Goodman. Alors, on va suivre Christella apparemment qui est bonne dernière ou Nine Honnête. Donc, premier Cyberfun, deuxième moi-même. Nashevman serait bien parti pour être troisième sur le podium. C'est confirmé. Suivi de Christella, Nine Honnête. Et la dernière bite fun fan. Donc t'es à la fois l'alpha et l'oméga, c'est-à-dire que tu ouvres et tu fermes la marche. Les Dragon Sky, mon pauvre, t'as chu. On peut le dire, les boules. Oui, voilà, pour décider le. Hein, des billes. Faudra que je trouve l'option pour le prochain Grand Prix, va. Bon, allez-y, placez vos bibilles. Aïe aïe aïe. En plus d'être riches, les Suisses, ils ont des records. Troll. Aïe aïe aïe. Alors, non, Christian, je crois que vous êtes tous là. Oui, je peux lancer maintenant, hein. Vous êtes tous là. On est 7, ouais, c'est bon, allez hop. Je lance maintenant. Voilà, j'ai écourté le chrono de 17 secondes. Qui c'est qu'on n'a pas suivi? Dragon. Ah bah, Christella, par exemple. Ça fait un petit bout de temps qu'on l'a pas suivi au niveau canal de la caméra. Ah, il n'y a pas de record local. Alors, est-ce que la carte est terrible, vachement éliminatoire, ou est-ce qu'on ne l'a jamais faite, et que celui qui va franchir premier l'arrivée va inscrire en lettres d'or son nom, et établir un premier record local. Ah, voilà qui donne du suspense à cette carte. Shattered Dreams, je pourrais plus lire celle que j'ai faite, celle que j'ai pas faite. Ah, bonsoir, monsieur Poupon. Il y a des bibis et personne ne m'a prévenu. Bah là, on arrive à la fin d'un premier championnat, mais enfin d'un Grand Prix, j'en ferai un deuxième derrière. Ça va, il est à peine 19h30, j'ai encore de l'énergie à revendre. Je suis prêt à faire un autre Grand Prix de 10 courses derrière. Donc il y aura moyen de participer. Mais j'aimerais activer la deuxième bille là que j'ai achetée. J'ai acheté une magnifique bille en œil de lézard, avec une forme ovoïde ballon de rugby. L'œil de Sauron, comme l'appelle Nash. Mais je pensais qu'elle allait être activée par défaut, mais non, alors faut que je trouve l'option. Oh! J'ai cru voir une collision de billes. Oh, Fun Fan qui est tombé. La violence. Oula. Ah, Nanonette qui prend la tête. Oh, tes deux billes, Fun Fan, tu les as perdues. Dragon Sky qui chuant à nouveau. Oh! Oh, Nanonette qui s'est fait éjecter en arrière.
Ah, Christella, bravo, tu rallies l'arrivée, tu fais un premier record local en 1,52, j'ai cru voir. Bien, GG Christella. Ah, bah je suis content, tu vas rester sur la chaîne symboliquement au niveau du record local. Bien joué, Christella. Ah, Nainonet, deuxième. Et Nashevman qui devrait arriver sous peu. Attendez, ah si, là, la bille, c'est bien. J'allais recentrer la caméra sur la bille de Nashevman. Voilà, juste le podium, Chrysalan, Nainonet, Nashevman, et personne ne n'a rallié l'arrivée. Ah oui, pas évident. L'ennemi sont les portes. Alors là, elle est violente, la carte là. Elle est violente. Il y a un risque assez élevé de pallier l'arrivée. Alors, Tuncen nous a rejoint. Ouais, c'est bien, on va être 9 normalement si Poupon joue avec nous. Voilà, Christella, il manque Nainonet, Nashevman. Ah bah ça y est, Nainonet vient de le faire. Funfan, une première bille. Nashevman. Oh, très bien. Voilà, Cyberfun, ça fait 8. Bah 9, je crois. Qui c'est qui manque? Dragon Sky, pardon. Tu vois, c'est toi que j'oublie honteusement. Bon, bah c'est bon. Je sais pas si personne ne se manifeste. Hop, j'écourte le chrono. Qu'on se lance tout de suite. Alors, qui c'est qu'on va suivre? Ah, parmi les nouveaux, Poupon ou... Attendez, il est où Poupon? Il est là, Poupon. Oh, ouverture des portes. Oula. Vous du duo. Voilà. Là, on voit quelque chose d'exploitable, on va dire. Le record. Oula, j'ai failli exploser ma webcam. Le record local Twitch en 1,31,734. Ah bah. C'est malheureux, monsieur Poupon. Votre bille a calé. J'ai vu quelqu'un gicler. Nashevman. Cyberfun, apparemment, il tombe dans les limbes aussi. Bah alors, Felfan, doucement avec Nash. Ah, oh, mon Dieu. Ah là 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 là, je demande le ralenti. Oui, mais je sais pas ce qui se passe pour la bille, monsieur Poupon. Et puis c'est un carnage devant. Devant, c'est un épouvantable carnage. Pourquoi elle est au point mort? C'est quand même malheureux. Bon, pardon, on va suivre une scène. Oula, qui est bien plus loin. Bon, personne ne battra le record de Tuncen. Alors, Funfan, suivi de Nainonet. Et j'ai envie de dire théoriquement Tuncen, mais s'il arrive à rallier l'arrivée avant le mur de délai. Ah, monsieur Poupon, là, je suis navré. Le coup de la bille figé. Oui, super glue, ouais. Ouais, bah oui, Poupon déjà rattrapé par le mur, hors délai. Aïe, aïe, aïe. Donc, juste un podium. Funfan et Nonette est une Twitch. Ah, la dernière, elle est longue. Le siège du château, Castle Siège, elle dure 3 minutes, voire 4 minutes. Enfin, je dirais même plus 4 minutes d'ailleurs. Ouais, bah d'ailleurs, le record local est de 5 minutes 45. Ah! Voilà. Allez, c'est inscrit Nainonet. Twinsen, Dragon Sky, Poupon, Christella. Bon, il manque Funfan. Je pense qu'il va pas tarder à se manifester.
Voilà, un chef man. Ouais, c'est l'interface, c'est comme ça. T'as oublié de placer tes billes, fun fan. Ah là 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 là. Bon, bah on part sans fun fan, sniff. Ah, tu une scène, tiens, on va le suivre un peu. Je sais pas trop comment placer la caméra sur ce tracé. C'est jamais évident. Non, bah c'est trop tard, fun fan. Avec le décalage, c'est trop tard. Il aurait fallu, pour te dire l'info, il aurait fallu que tu places ton play avant le ban super glue de Poupon. Donc t'avais 20 secondes de retard. C'est dire. Tant pis, c'est pas grave. Ce n'est qu'un jeu sans enjeu. Eh, hey, je suis en train de me dire, avec le jeu du tableau mystère, si les bibis, dès que je fais un grand prix de 10 courses, j'attribuerai pas 500 points de chaîne symboliquement en cadeau. Faudra que je mette en place ça. Il faudra que j'établisse des règles. Je vais réfléchir cette semaine et je vais essayer d'établir des nouvelles règles concrètes, assez simples, voilà, pour la suite. Mais pourquoi tu repars contre Sanctusen? Mon dieu, Tabi est devenue folle. Qu'est-ce que j'ai fait, Tabi? Sur tes directs, je sais pas pourquoi j'ai un gros décalage. Ah. Goops. Ah, Nashevman qui répond à FunFan comme quoi il y a moyen de régler le souci d'interface validé ou invalidé les bannissements. Oui, ce jeu est possédé. Non, mais je comprends pas le coup de la bite une scène là. Qui part à contre-courant. Même Dragon Sky? Attends, mais c'est pas possible. Tu vas. Bah oui. C'est du délire. T'es revenu au début. Dragon Sky, pareil. Fun Fan a le record local en 5,45. Mais et là il part comme une fusée. La bille à Twinsen qui part plus de nous qu'une fusée, il va rattraper tout le monde. Ce serait pas mal, ce serait stylé. J'aime bien la prise d'élan de la bille là pour le coup. Bon, elle zigzague un peu trop maintenant, c'est dommage. Mais quand elle était en ligne droite, c'était. Il y avait quelque chose de rassurant. Ah, ah, ah. Ah, elle repart en ligne droite, là. Elle prend bien de l'élan pour peu qu'elle ait pas de météore dans la tronche. Aïe. Encore que là, elle s'en est plutôt servie comme tremplin. Oh, Christella! Oh, Christella! Qui a remporté en 3 minutes et quelques. Le record local est pulvérisé. De presque moitié moins. Bravo, Christella! Wow! Là aussi, je pense que ton nom va rester gravé sur mon canal pendant un bon bout de temps. GG! Oh, ça fait plaisir, c'est cool. Comme dit le proverbe, un poisson qui nage dans le courant est un poisson mort. Non, mais sérieux, encore scotché. Bah oui, monsieur Poupon, c'est la malédiction. Mais on y croit pour le prochain Grand Prix. Que les cartes de la chance soient rebattues, on va dire. Alors, Christella, moi-même et Nashevman ont fait le podium. Reste encore en course. Ninonet, Dragon Sky, Twinsen et Poupon. Voilà. Ninonet a rallié l'arrivée. Dragon Sky va rejoindre aussi. Donc, 5e Dragon Sky, 6e Twinsen. Et où est l'habit de Monsieur Poupon? Ah, elle arrive finalement. Bon, bah voilà, au moins. Tout le monde aura rallié l'arrivée. Oh là, bravo Christella avec le record en 3 minutes 3-0-3. On est loin du 0-5-45. Hein. En fait, vous avez tous battu le record local.
Ah, c'est énorme! Mais comment ça avait été aussi lent la fois précédente? C'est. Waouh! Aïe 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 aïe! Alors, troisième, j'irai Nash. Ah non, Cyberfun. Foupon s'habille comme au bonbon. Christella, deuxième, premier, Nine Honor, GG! Yeah! Alors, je vais relancer un autre grand prix de 10 courses, mais je vais essayer d'instaurer la bille que j'ai débloquée là. Elle est où la. Bah là, je la vois plus puisque j'ai acheté le truc. Comment je fais pour. Comment ça, random? Hein? Oui, mais non, mais grand prix, mais attends, attendez, 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 attendez. J'aimerais. Si vous avez des choix de cartes, allez-y. Encore que j'espère que je vais pas vous zapper le truc parce que. Comment je peux mettre ma bille, moi? Attendez. Non, pardon, attendez. Ah! Oui, elle est belle, elle est bien. Mais justement, je veux la mettre. Ah, faut que je la glisse. Mais oui! Mais oui, mais je l'avais acheté, alors. Attends. Il faut que j'apprenne à comment faire pour la placer. La merde là. Qu'est-ce que c'est que cette interface? C'est pas du tout instinctif. Plastique, je m'en fous. Ah. Loadout. Bah, comment je fais pour mettre les deux? Je comprends pas. Pas logique. Excusez-moi, je cherche la soluce, mais. Non, des fois. Parce que j'ai l'impression qu'on va tous se trouver avec une bille en œil de. C'est pas logique. Choisissez vous. Ah, peut-être les. Hey, les cartes de la communauté, on n'a jamais essayé. On va faire un mélange mix. On va prendre 5 cartes de classique et 5 cartes de la communauté. C'est vrai qu'il y a ça aussi à faire. Convergence. Racing Ping. Outlet Hill, ouais, je sais pas. Le Frozen. Skip and jump, ouais, pourquoi pas. Communauté. Pourquoi je vois Christella? Je base bizarre. Ah, il m'a fait une sélection de 50 premières. Ah, je peux en demander 50 autres. D'accord, avec mort. Taux d'élimination. Je peux ranger par taux? Ah non. Alors, taux d'élimination, on va prendre des taux faibles. Hein, il y a quoi d'autre? Ouais, je sais pas ce que ça vaut. Bon, on va essayer ça. Pardon, pardon. Je sais que je mets pas mal de temps, mais. Oui, je vois ça, je vois ça. Oui, bah voyez, vous trouvez tous avec la bille lézard. Bon. Écoutez. Point d'exclamation play. Point d'exclamation play, allez-y. Record local par Twinsen en 2-0-3. Alors, gate départ, Poupon, Dragon Sky, Christella, Nine Honnête. Nashevman.
Pim, pim, poum, poum. Fan, fan, et demandez à l'accueil. Et encore, il manque quelqu'un d'autre. Je sais déjà plus, pardon. Il y a Fun Fan et... Ah bah, tu une scène. Ah, mince. Ah, vous êtes sûrement à table. Bon appétit à vous. Bah justement, le record était détenu par... par une scène. Oula. Contrôle des poches et la recherche des super glues avant le départ. Ouais. Ouais, c'est vrai que c'était bizarre le coup de la... Enfin bref, c'est un nouveau Grand Prix. Parlons pas de malheur. On dirait presque un pendule. Ça m'inspire un pendule de grand-mère là qu'on met sur les rebords de cheminée. Cette forme-là. Attendez, je vais zoomer un peu sur la bille quand même parce que... Alors... Ah, bah, bravo, je serai en tête. Un peu gênant quand on est le diffuseur et l'organisateur de la course. Donc le record de Tunsen qui est en un peu plus de 2 minutes. 2.03. Oh, Dragon Sky et Monsieur Poupou qui ont fait un saut synchronisé. C'est original, je crois que c'est la première fois que j'en vois un. On en verra une dépanneuse. N'importe quoi. Ah, Christella qui a pris la tête de la course, visiblement. Ouf. Ouh, a failli frôler la correctionnelle, Dragon Sky. La bille qui a failli s'éjecter hors trajectoire. Eh, hey, Christella serait-elle pas partie pour battre encore un corps? Ce serait énorme. Oh, Dragon Sky. Du danger de faire trop l'extérieur. Ah, du coup, on suit Monsieur Poupon. Oula, oula, violence. Nashevman cachu. Non, pas d'effet super glu. Christella, non. Ah, oh, je te voyais battre leur corps. Ah, dégoûté. Ah, bah, Nainonet a remporté le... Je sais pas si t'as battu le... Je suis pas sûr. On regardera dans le tableau d'arrivée. Deuxième Poupon. Et ma bille devrait compléter le podium, mais pour ce qui est du reste, c'est un carnage. Eh ben, dis donc. Ah oui, tu t'es fait déglinguer, mon pauvre Nash. Pareil, Christella, ça a été d'une violence inouïe, quoi. J'ai pas compris. Bon, bah, bien, bien joué, Nainonet. Alors, est-ce que t'as battu le 2-0-3? Oh, ça s'est joué à 2 dixièmes de seconde. Tu l'as pas battu, mais ça s'est joué à 2 dixièmes de seconde. Vous du Dieu. Allez, on fonce sur The Ragging Pin. Et B. Point d'exclamation play. N'hésitez pas à placer vos bibilles. Contrôle de page. Ah, Raigold. Bonjour et bienvenue. Hi and welcome. Je sais pas si Raigold parle français, mais bienvenue. Ah, c'est bien de rejoindre le jeu. Ça va, c'est début de Grand Prix, donc ça aide. Salut. Ah oui, donc français, ça va, ça me rassure. Bienvenue, bienvenue, Raigold. Ah bah là, on va être 10, là, sur la ligne de départ, non? Si je me plante pas. Ouais, ça va bien, merci, comment on va? On est peinard, là, c'est la fin d'une journée de direct. Je pense que je vais rendre l'antenne à la fin du Grand Prix. Oh mince, attention, les noms et le... Hop. On va suivre Nashevman. Et voilà, c'est une bonne journée, pépère. Merci bien. Oh. Le record de Tunsen. Merci tout plein pour cet acte de fidélité à la chaîne. Ça fait chaud au cœur. Bienvenue. 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 Bienvenue.
Bah oui, record de 2,49 en local de Twinsen. Attention à l'usage des majuscules, Raigold, il faut que je précise. Parce que j'ai le robot, au bout d'un certain nombre de majuscules, il met un ban de quelques secondes pour inviter à se calmer et pas paraître agressif à l'écrit. Je précise. Oh, cette arrivée est magnifique. L'arrivée au flambeau, là. Oh, on a une honnête! Waouh! T'as giclé, tu t'es fait avoir par un piston, à mon avis. Tu t'es fait avoir la vertique. Ouh, un achèvement, c'est dangereux. Oh, il y a quelqu'un d'autre qui vient de sauter, je sais pas si. Ah, c'était une scène. Dragon Sky qui s'est fait éjecter. Ah, elle est vicieuse, cette course. Elle est vicieuse. Bah oui, zut. Christella, mais parlons pas de malheur. Ah oui, non. J'allais dire, vous pouvez prendre la tête. Non, bah du coup, c'est ma propre bille qui est en tête. Et attention, on n'a pas encore rallié l'arrivée. Ouh, la Chevman. Ouh là là. Ah, Nashevman qui va pulvériser le record local de 30 secondes au moins. Bien, Nashevman. Oh, tu une scène juste derrière qui a essayé de défendre son corps, justement. Mais non, c'est Nash qui a dû faire quelque chose comme 2-12. Bien. Alors, Nashevman, tu une scène, Rygold, moi-même, Christella et Poupon qui est encore englué. La bille de Poupon qui restait engluée, qui tourne autour du pot, on peut le dire. Mince, attention, il y a le mur de Hordelais qui va se pointer. La malédiction de Monsieur Poupon. Mais c'est fou ça. Elle s'est inscrite dans un mouvement orbital propre. Je réclame une commission d'enquête indépendante. Ça y est. Mais attention, le mur hors délai qui arrive derrière, là. C'est bien, la trajectoire est bonne. On y croit pour rallier l'arrivée. Vite, vite, vite. Ça y est, c'est bon. Poupon va quand même marquer des points. Ça va. Alors, GG, un achèvement qui a fait un temps de 2-10. Bien. Alors, Nashev 28 scène, Rygold, moi-même, Christella et Poupon ont rallié l'arrivée. On chute, Dragon Sky et Ninonet. Désolé pour vous. Dur. J'orbite souvent, effectivement. Oh! Haunted Hill, c'est cette carte que j'adore. Je l'ai enfin retrouvée. Elle est longue. Elle est longue. Elle est belle. Au niveau animation, elle est extra la Halloweenesque. Je l'aime bien celle-là. La preuve qu'on l'a jamais faite, il n'y a pas de record local. Donc pour ceux qui veulent s'inscrire dans la gloire, c'est maintenant ou jamais. Alors c'est inscrit Rygold, Poupon, Dragon Sky, Twinsen, Twitch, Christella, Nine-On-Net, Nashevman. Il ne manque plus que Fudfan. S'il souhaite jouer, à moins qu'il soit parti dîner. Il serait parti dîner que ça m'étonnerait pas, je comprendrais parfaitement. Ah, attendez, je vais boire un coup. Ah bon, poussez-vous, je tâche. La tortue sage 78 nous a rejoint. Bonsoir et bienvenue. Oh, pardon. J'ai le rototo du. Ouais. Nashevman. Oh, cette carte, elle est magnifique. Ah, je suis content de l'avoir retrouvée. Je l'aimais bien quand je l'avais chez vous. Faut que je retienne. Huntel Hills. Ou non, oui, non, c'est Hill, c'est un H. Les collines hantées. Oh, le sang. C'est un
C'est normal ça? C'est normal ou c'est pas normal? Si, ça a l'air d'être normal. Non, c'est pas normal. Tu t'es fait avoir, Nation Man. Oula. Yeah. En plus, avec les billes en œil de lézard, ça fait. Enfin, de reptile. Ça fait dans l'ambiance là. Oh, cette carte de fou. Alors que nous suivons à la caméra Christella. Waouh. Mais reviens, bille de merde. Non, mais t'as dû te faire avoir par un esprit vengeur là, et puis. Alerte enlèvement, ouais, du petit HF20, c'est ça, Christella? Alerte rouge! C'est ça! Oh mon dieu! Ah! La petite bougie! Il faut descendre l'escalier, je crois. Donc, on aurait Dragon Sky qui sera en tête là. Ou pas? Ouais, comme ça part un peu dans tous les sens, c'est un peu la panique dans les statistiques là. Descente d'escalier. Qui c'est qui serait devant là? On aurait une scène en fait. Ah, Nainonet. Ah, Raygold. Oula, Nainonet, la bille a sauté. Un de ses sauts de fou. Ah, Raygold, suivi de très près par Nainonet. Ensuite, la tortue sage. Ah, c'est sympa de voir les nouveaux sur le podium. Suivi de Tunsen, moi-même, Christella et Poupon. Il manque plus que Dragon Sky qui est à la traîne, je sais pas où. Ah voilà, qui arrive. Ah bah bien joué. Yeah, GG Raygold. Eh bien, bah 2-23, voilà, ce sera le nouveau record local, 2-23-101. Bah Nashevman, pas de bol. Paidable. Allez, point d'exclamation play. Pour pouvoir placer votre bille, point d'exclamation play, oui voilà, alors que sonne les 20h. Alors, oh, I'm depressed, sorry, welcome, bonjour, bonsoir. Ah, qui vient jouer avec nous? Bah c'est bien, plus on est de fous, plus on rit. Du coup, je ne sais plus qui est inscrit, qui n'est pas inscrit. Je crois vraiment que Funfan est parti dîner. Bon app à lui. Comme bon app à tous ceux qui sont en train de déguster leur dîner. Ou quelconque repas hein, par rapport aux autres pays à l'international, évidemment. C'est les jeux de 20h. Sacré Twinsen. Bon, j'ose plus provoquer le chrono, là, le départ. Parce que voilà, j'ai la bonne surprise de voir que vous êtes enfin des anonymes, des nouveaux venus, et ça fait plaisir. Voilà, on va. Oh, belle image de profil de lagon au crépuscule, on dirait la tortue sage. Apaisante l'image de profil. Eh ben, on va suivre la bille de la tortue sage. C'est cool. Ah, Frozen, un tracé long. Record local, encore une scène en 3-10, presque 3-11, hein, parce que comme c'est 967, Maître Capello, ouais. Ah là 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 là. On est. Ah! 9 participants sans fun fan. Ah, c'est de plus en plus. Vraiment, ça devient intéressant. Le jeu devient intéressant quand il y a 10 billes. Quand il y a 10 billes allumées, alignées sur le départ. C'est. Là, le jeu devient très intéressant à 10. Oula, il y en a qui partent à contresens. C'est presque le cas de tout le monde. Oh, on a une honnête qui est droit à un coup d'accélérateur. Alors, hein, ça y est. Ah, ou c'est vrai que ces croisements sont pas évidents.
là. Oula. Ah, la tortue sage qui se retrouve coincée dans le. Je sais pas comment on pourrait appeler cet élément-là. Presque la râpe à fromage, sauf que c'est des. C'est pas des trous, mais des. J'ai envie d'appeler ça la râpe à fromage. Oh, qui c'est qui est tombé? Dragon Sky, décidément. Oh là là. Alors, la malédiction de Poupon, c'est être englué. La malédiction de Dragon Sky, c'est d'être éjecté hors parcours. La violence. Ouais, tu as une scène qui est pour son fantôme, pour le record, qui est déjà un étage plus bas. Hein. Ça qui est dingue. Et l'arrivée semble si proche pourtant. Allez hop, on se pousse. Mais c'est pour m'obliger à faire attention. Oui. Ah là 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 là. Oula. Oui, la tortue sage, je sais pas si le tourniquet, flocon. Ah, on a une honnête qui a rallié l'arrivée. Le record local n'est pas battu. C'est une scène qui le conserve. Là, je suis laissé par me dire mince, le tourniquet flocon de neige qui faisait la misère à la tortue sage. Alors, on a déjà le podium. Ninonette, Christella, moi-même, suivi de Nashavman, Twinsen, puis Poupon. Il manque les nouveaux venus. Donc, I'm depressed sorry a rallié l'arrivée. Et il reste, bah là, voilà, la bille sur laquelle on avait la caméra depuis le début, la tortue sage qui va, hop, seul Dragon Sky, il s'est fait éliminer. Oh! Terrible ça. Ah oui, 3,27 contre 3,10, effectivement. Hot skip and jump. Oh my dieu. Point d'exclamation play. N'hésitez pas à placer votre bibi. Hop là. Hop là. Ah, cinquième course sur 10, c'est la dernière du jeu en fait. Sachant que les 5 suivantes seront de la communauté, c'est-à-dire des passionnés qui ont créé leur propre tracé. Oula, vous êtes 10 sur la ligne de départ. Alors, I'm depressed, sorry, Nainonette, la tortue sage, Dragon Sky, Funfan, Christella, Cyberfun, Nashavman, Poupon. Je crois qu'il manque quelqu'un puisque Funfan a placé ses deux billes. Twinsen n'a pas placé sa bille. Voilà, Twinsen, nickel. Il y a encore combien de tableaux? Je comprends pas. Tu veux dire les tableaux mystères, hein? Tu parles pas des pistes de Bibi. Bah, si tu parles des tableaux mystères, je pense qu'il y en a encore, sans déconner, une vingtaine que vous n'avez pas trouvé. Que je ne vous ai pas encore présenté. Pour ce qui est des tableaux PC, je rappelle que j'ai commencé à faire une trentaine de tableaux mystères sur la Mega Drive. Si j'ai le temps cette semaine, j'essaierai de refaire des compos de tableaux mystères, histoire de préparer les saisons futures. Pour en revenir aux billes, par contre, on est à mi-Grand Prix. C'est-à-dire qu'on est en train de faire la cinquième course de 10. Alors, Cyberfun serait en tête. Attendez, je vais replacer la caméra là parce qu'elle est un peu trop verticale. Ah bah, le précédent record était détenu par Funfan. Oh! Dragon Sky! Oh, dommage! Oh, l'éjection où t'étais revenu dans les tuyaux. Et manque de bol, t'as eu un restant d'élan qui t'a éjecté hors tuyau. C'est comme ça qu'on bat les records du monde. Hein. C'est dans ce genre d'incident où ça se transforme en énorme coup de bol.
Christella qui s'est malheureusement fait éjecter. Oh là là, c'était là, alors là, il y avait un waouh. Il y a eu un moment intense de suspense, mais manque de bol, ça n'a pas payé. Quoi, c'est pour ton restaurant? Qu'est-ce que tu racontes, tu de scène? Je te suis plus. Alors, Cyberphone qui a. Je pense pas qu'il ait battu son propre corps, mais il est à peu près dans les mêmes temps. Suivi de la tortue sage. Alors, on suit la bite d'Hachaman qui serait bonne dernière. Voilà, Tunsen complète le podium. Suivi de Funfan, Nainonet, I'm depressed, sorry, moi-même. Poupon ne devrait pas tarder. Et il y aurait enfin Nashavman. Voilà, Poupon c'est bon. Il reste plus que la bille de Nashavman. Ah, il reste cette dernière difficulté qui peut s'avérer fatale. Woudoudou. C'est bon. Ça passe pour Nash. Bravo Cyberfun. Ah, alors là, on va découvrir des nouvelles cartes. On va découvrir des nouvelles cartes. Ah, Familiar Star Trek. Non, mais partez sans moi, j'ai fait une pause sur une aire d'autoroute. Oh, Bob Kai Wolf Bear. Wow. Ça présente bien. Alors là, c'est 100% nouveauté. Un record du monde sous la minute par Celastrina Mariposa. Eh ben, je suis ravi que vous n'ayez pas des pseudos aussi compliqués à prononcer. Parce que là, je ferai un diminutif à partir des trois premières syllabes. Hein. Ce serait Celastrine avec moi. Dur. Oula, la tortue sage qui m'a même grillé la politesse de l'inscription. Je vois qu'il y en a qui ont envie de jouer. C'est bien? Merci à vous d'être là. Alors, Tortue Sage, moi-même, Funfan, Nainonet, Cyberfun, I'm depressed, sorry. Poupon, Christella, Dragon Sky, Twinsen, Nashevman. Oui, t'as placé tes deux billes. On est combien? On est 11. Bah, ce serait bon, en fait. Ce serait bon. Non, mais c'est bien. Le délai de 60 secondes, c'est bon, c'est acté. C'est l'idéal, 60. Bob Kag, Wolf Bear. Merde, j'ai pas mis les noms. Excusez-moi. Eh ben voilà, on va suivre Andy Pussy, sorry. Oh! Wow. Ah oui, Star Trek! Effectivement. Oh la vache! Oh, l'effet hyperespace est énorme. Waouh, c'est psychédélique. C'est psychédélique. C'est la trine, ouais. Alors, Nashman serait théoriquement, je dis bien théoriquement en tête. Bon, à partir de maintenant, forcément, c'est des records locaux à débloquer par rapport à ma chaîne. Parce que c'est la première fois que je choisis des cartes de la communauté et il y en a qui font du très beau boulot. Alors là, j'ai du mal un peu à voir par où faut passer. Un direct sur l'éditeur de tableau. Bah, si. Si. Oui, des pistes de billes. Faudrait déjà que je m'y frotte, en fait, pour voir si je suis à mon aise ou pas. Mais oui, re-Régold. Donc, Twinsen, Funfan, Cyberfun, Poupon, moi-même, Christella, la Tortue Sage ont déjà rallié l'arrivée. Ça se complète par I'm Depressed, Sorry, Nainonet et Dragon Sky. Je pourrais même pas dire qui est le 11e. Je ne sais plus. Eh bien.
Ah oui, c'est vrai que vous pouvez voter, ouais, c'est vrai. Il y a des votes pour dire si vous avez mis la carte ou pas. Alors, les votes, en général, ce que je fais, c'est que je mets soit la pastille verte, soit la pastille rouge dans les dernières émoticônes de Twitch. Et ça équivaut au vote. Yes or no, pour ceux qui aiment ou qui n'aiment pas. Il restait plus que toi, Nesheman, d'accord. Ah. Ah oui, effectivement. Ouais. Oula, oui, t'es arrivé en retard. T'as rallié l'arrivée, mais en retard. Eh ben, elle était vachement belle, cette carte. Bon, bah, record local de Tunsen en une 27-9. Bien joué. Backwards Balanced, j'ai pas le temps de lire le nom du niveau complet. Allez-y, placez vos billes, point d'exclamation play. Alors, Suburban Backwards Balanced Barn, oula. Lâchez vos billes, point d'exclamation play. Wow, vous êtes 12 alignés au départ. Je vais finir par atteindre mon plafond que j'avais mis par défaut de 16 participants. Va falloir que je le relève ce plafond à force. Je suis ravi de constater que vous êtes de plus en plus nombreux. Eh ben. C'est parti, mon kiki. Les billes vont être lâchées. Burp. Attendez, pourquoi je vois pas les noms? Ah, vous êtes en haut peut-être. Bah. Ah non, oui, mince. D'accord, c'était mal cadré. Oula. Oups. Waouh, ça en fait des entonnoirs. Oh, c'est rapide! Oh là, c'est super vite! Ça a été expédié à une vitesse phénoménale. Je m'attendais pas à un tracé aussi simple et court. Oh, alors du coup, je sais pas du tout. Raigold a gagné GG. Suivi de Ninonet, la tortue sache que c'est la poupon, moi-même, Dragon Sky, Cyberfan, Twin, Sand Twitch, Plant Fan, Nashavman et Talakmak. Nouveau venu, bonsoir et bienvenue, pardon. J'avais pas vu l'arrivée de Talakmak. Hop, course suivante. Eh ben. Ah ouais, trop court. Je me suis laissé vraiment surprendre là. Bon là, le record mondial est d'une minute et quelques, donc j'ai bon espoir que ça dure un peu. Neri Bunny. Oula, faut pas être épileptique. Neri Bunny. Alors, ah oui, Lego, mais avec un 3. Le frigo Design Light Reflecting Race. Ah, ce nom. Les noms sont tout aussi psychédéliques que les tracés. La folie. Waouh. Point d'exclamation play pour placer votre bébé. Ah, vous êtes 10 sur la ligne de départ. Je crois qu'il manque une ou deux personnes. Il vous reste encore 30 secondes. Voilà. Ah oui, Christella. Je crois qu'il manque quelqu'un sur la ligne de départ, mais je peux pas dire quoi. Dire qui, pardon. Tunsen, peut-être. Ah oui, Tunsen. Ah si, c'est bon. Mais si, Tunsen nous a l'argent. Je sais pas qui c'est qui manque à l'appel, mais ça va partir. Eh B. Alors, 8e course sur 10. On reçut la tortue sage. Oula. Attendez, je peux en prendre. Oula, oui, c'est très néon là. C'est très fluorescent. La carte m'intrigue. Ah oui, d'accord, faut sauter dans le truc, ok.
Je me disais, c'est bizarre que ça fasse aussi flashy à l'arrière et que il se passe rien. J'ai cru un instant que c'était en fait l'arrivée. Alors là, ça part tellement dans tous les sens que je pourrais pas dire qui potentiellement est premier. C'est tellement un truc de fou que. Oui, bienvenue dans Tron, ouais. Il y a un peu de ça. Alors, Talamak fraîchement venu remporte la course, suivi de Raygold. Oh là, j'ai pas le temps de. J'ai pas eu le temps de lire. Alors, Talamak, Raygold, la tortue sage, la chaman Poupon, moi-même, Tunsen, Cyberfun, Cristella, Funfan et Nainonet. Et j'ai le plaisir de constater qu'il n'y a pas eu d'éliminé. Je crois que Dragon Sky a lâché l'affaire. Oui, c'est lui qui s'était pas inscrit, c'est Dragon Sky. Il est peut-être parti dîner, bon appât lui. Dark Demonic Arena. Ah, j'ai cliqué sur ça, moi. Oui, c'est pas très lisible comme carte, oui, je conçois que. Point d'exclamation play. Vous êtes déjà 10 inscrits, il reste encore 6 places. Ah, 11 inscrits. 11 inscrits sur le 16 max, mais il faudra que je remonte mon plafond là. Je me laisse impressionner. Vous soyez aussi nombreux. Merci à vous d'être là. Ça fait bien plaisir. Oula, Ben the Boss Jackson Dark Demonic Arena. Parce qu'évidemment, le nom de la carte est préfixé par le nom du créateur et son pseudo Twitch. Il y en a qui ont de sacrés pseudos. Ce jeu me plaît beaucoup. Je joue pas, je vais au resto. Wow! Et ben bon resto à toi, Tunsen. Oula, 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 c'était quoi ce départ de fou? Ah, ça y est, alors que Dragon Sky nous a rejoint pour cette course. Ah, bah, c'est on dirait un autre façon Star Trek, dis donc. Le record mondial est en 1:39, mais à mon avis, l'arrivée va se faire chez nous en 3 minutes. Parce que vu la longueur du tracé, remarquez le dénivelé est assez violent. Mais. Waouh! C'est psychédélique! Ah ouais! Original. Ah, Nashevman serait en tête? Non, là, c'est pas clair. Là aussi, le dénivelé est tellement fou. C'est très très noir. Wouah! Mais qu'est-ce que c'est que cette course? Oh la folie. Mais ça part vraiment dans tous les sens. Du coup, je peux même pas dire qui va être en tête là. C'est pas clair. Ah, la tortue sage serait en tête. Enfin, par rapport à ce que je vois de la caméra. Ah non, bah non, c'est. Oh là là, c'est tellement rebalayé les. Oh là là, c'est la folie. C'est vraiment la folie. Oui, voilà. J'aime bien, j'ai mon Wisebot qui réagit tardivement aux arrivées nouvelles. Mais c'est rigolo, ça rappelle que quelqu'un est arrivé il y a quelques minutes sur l'antenne. Enfin, sur l'antenne. Sur le chat. À nouveau, bienvenue à Talamac. Aïe, aïe, aïe. Elle est bien cette musique. Ben, moi j'avais dit que le premier arrivé il mettrait près de 3 minutes. Là on va vers les 2:10. Waouh, le moins que l'on puisse dire c'est que la carte est sombre. Alors que le reste est en néon flashy, c'est très particulier de jouer sur des contrastes aussi violents. Attendez, on va où là? Ah, j'ai bien fait de relever un peu la caméra. Ah, c'est joli comme ça. Ah oui, c'est plus joli. J'ai bien fait de relever le pif du champ de caméra là. Ah là.
Elle est beaucoup plus agréable cette course d'un seul coup. Mais oui, je vous avais dit 3 minutes. Personne n'a rallié l'arrivée, on est déjà à 3 minutes. Ah oui, hydraté, glouglou, oui, j'ai peut-être la voix qui est devenue un peu sèche. Merci, Reingold. Je suis fait du sirop de cerise qui est pas dégueu. Je me redresse, mon cher Dragon Sky, je me redresse. Merci à vous de prendre soin de moi. Ah là là. Ouais, enfin, on y voit comme à travers une pelle là-dedans. Ouais. Bah, c'est particulier. Bon, je serais pas partant pour la faire tous les week-ends, mais enfin toutes les semaines celle-là, mais elle, bon, elle a quand même son petit charme. Hein. Elle mérite d'exister. On va pas s'en plaindre. Ah, les glaçons qui freinent juste à l'arrivée. Bah, ça rebat complètement les cartes, en fait. Alors, Poupon, GG, Poupon remporte la course. Nashevman, Christella, Funfan, Dragon Sky, la Tortue Sage, moi-même. Suivi de Cyberfun, et j'ai pas eu le temps de voir la suite. Hop là. Talamak, Regold et Nainonet, voilà, complète les arrivées. Dernière course. Short test, relaxing journée. Alors, est-ce que c'est le plus court de cours? On va regarder le chrono du record mondial. Une minute. Oh non, ça va durer un petit bout de temps. Point d'exclamation play pour cette dernière course. Merci public. Ouais. Non, GG. Bien, bien, des précieux points. Si. Quoi, sorry, j'étais premier et là dixième. Ouais, bah, c'est le côté vraiment aléatoire du jeu, Rigol. Ah là 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 là. Alors, engager la tortue sage, moi-même, Funfan, Cyberfun, Nainonet, Christella, Poupon, Dragon Sky, Regold, Nashevman. Je pense qu'il manque une ou deux personnes. Enfin, je vais laisser le chrono aller jusqu'à son terme. Point d'exclamation, play pour cette dernière course. Non, peut-être pas moi. Qui c'est qu'on n'a pas suivi aujourd'hui? Ah bah Regold! Ah, on n'avait pas vu le. On n'avait pas vu le. L'avatar bien marrant du chat avec les lunettes. Bien vu, bien vu. Oula, c'est particulier. Oula, Nainonet qui a été éjecté de manière complètement folle. Et B. Ah, Poupon aussi, là, qui a sauté joyeusement dans le. Ah, et un. Oh là là, Nashevman, d'ailleurs, qui est passé de gauche à droite au niveau de la tuyauterie. Ah, Cyberfun serait théoriquement la bille en tête. Ah oui, Cyberfun, ça se voit nettement en bas, ouais. Ah, rattrapé par la tortue sage, non? Ah, pas clair. Nashevman a souvent des problèmes de tuyauterie, nous dit Poupon. Ça parle mal. Ah, Dragon Sky a rallié l'arrivée suivie de Cyberfun, la Tortue Sage, Nashevman, Funfan, Poupon, moi-même, Raygol. Et on sait pas qui de Christella ou de Nainonet va fermer la marche. Ah bah voilà, ce sera Nainonet puisque Christella est 9e. Ah bah c'était sympa pour une dernière course. Oula, l'arrivée en flamme. C'est bien programmé. Vachement bien programmé.
Eh bien, 1,33 pour le record local qui sera inscrit par Dragon Sky. Alors, qui c'est qui gagne? Les podiums de ces derniers Grands Prix de 10 courses. Merci à vous d'avoir participé. Troisième sur le podium, Poupon, suivi de Twinsen et premier, Ninonette. Oh là là! GG! GG à vous, c'est bien joué. On avait Nashelman, Cyberfunk, Crystal Regol, La Tortue Sage, Dragon Sky, Fofan, Talamak, moi-même et AMD Precit, qui n'a pas suivi les courses en fait. Et oui, à force de parler comme un crooner fou furieux enragé, je ferais bien de reboire un coup, merci Regold. Oui, tu as remporté le Grand Prix, Nainonette. Ouais. T'es premier du Grand Prix. Sur les 10 courses. Bien vu, bien vu. Bon, que dire que toutes les bonnes choses ont une fin. Non, là, j'en referai pas plus parce que j'ai hâte de manger, j'ai faim en fait, j'ai hâte de dîner. L'occasion pour moi de vous remercier d'avoir été là, d'être ravi d'avoir fait encore une journée de jeu. C'est vrai que j'ai beau avoir mon éclairage proche de la tronche, si je me recule un peu trop, on voit plus ma tête. Voilà. Donc merci tout plein d'avoir été là. Merci, merci. Je sais même plus s'il y a eu des événements spéciaux. Je vais encore consulter mon historique de chaîne. Vous êtes en train de bombarder, hydrater le sage, mais vous êtes fou. Doucement, je vais pas me noyer dans ma boisson. Est-ce qu'il y a des événements particuliers? Bah, merci à Railgod d'avoir suivi la chaîne, d'avoir fait acte de fidélité, c'est très gentil. Merci tout plein et voilà, non, il n'y a rien eu d'autre. Il n'y a rien eu d'autre, merci tout plein. Bah écoutez, je regarde chez qui je vais faire un relais de chaîne. Évidemment, on est le soir, il y a du peuple. On est le soir, il y a du peuple. Ah! Devil Olive qui fait du Tessot, qui fait quoi? Ah non, qui fait du Skyrim. Oh, Devil Olive qui fait du Skyrim. Ah, pas mal pour la soirée. Évidemment, vous êtes libre d'aller là où vous le souhaitez, mais le coup de Devil Olive qui fait du Skyrim, c'est sympa. On va aller chez lui. Ah, bah ça va parler à Nash, forcément, qui est fan de la licence The Elder Scrolls. Voilà, voilà. Bah, merci à toutes et toutes d'avoir été là. Bon app pour ceux qui vont passer à table. Moi, ça va être mon cas. Je vais me grignoter mon pain de mie qui commence à rassir avec je sais pas quoi. Il me reste un peu de fromage. Mais j'ai pas mal faim. À mon avis, il faut que je complète avec autre chose. Je sais pas quoi, mais je vais faire une descente dans le frigo. Merci, bonne soirée, bon appétit. Bon direct hein, pour ceux qui prennent leur antenne. Monsieur Poupon qui va prendre d'ailleurs son antenne dans une demi-heure environ. Qui fera du Days Gone. Je crois que je me plante pas. Oh, lasagne maison, une scène. Mais non, mais tu disais que t'allais au resto, que t'étais sur l'île. Ou alors tu as commandé le plat de lasagne dans le resto à Lille. C'est ça, une scène, je ne sais plus. Bref, ça va zapper, ça va partir chez l'ami David Olive sur Skyrim. Merci tout plein d'avoir été là. Bisous tout plein. Moi, je vous retrouve samedi matin. Mais il y a peut-être un stream sauvage qui va apparaître en semaine, à la condition que Olive qui tue me contacte pour m'initier à Stardew Valley. Voilà, peut-être. Sinon, tant pis, ce sera samedi matin qu'on se retrouve sur mon antenne. D'ici là, vous retrouvez Fun Fan, tout à chacun, etc. Voilà. Bisous tout plein, prenez soin de vous. Fun Fan, normalement, demain, il diffuse. N'hésitez pas à regarder son agenda sur son Discord ou à flâner tout simplement sur son canal. L'ami Fun Fan, merci pour les clips et la modération. Ciao, ciao, bisous. Dans les blockbusters américains, là, le héros qui se met toujours face à la caméra, t'as l'explosion derrière. Et voilà. Oh, je te jure. C'est Lydia. Oh là là. Complètement de la merde, de quoi le fan. Merci les anonymes hein, de regarder. Prenez soin de vous. Bisous, Ça bisous, casse à un peu le plus. jeu.
Parce que peu importe l'ennemi qui est en face, même